quels sont les modèles vedettes de cette édition de l'Auto Festival? Alors, étant donné qu'on a donc 13 marques réunies sous le même toit, on a bien sûr beaucoup de nouveautés cette année, notamment avec Hyundai qui a été très présent et qui a innové sur de nombreux modèles, avec par exemple le nouveau Tucson ou la nouvelle i20. Ensuite, cette année, elle a aussi été très marquée par l'électrique. Donc, on a ici en showroom des modèles qui, on pense, vont beaucoup vous plaire, comme par exemple la Volvo XC40 Recharge, la Fiat 500e ou l'Opel Mokka E. Et puis, on a aussi une gamme de véhicules hybrides ou plug-in hybrides, comme l'AMG EHS, la Suzuki Swiss ou la Jeep Compass Renegade 4XE. Et on a aussi des nouveautés qui étaient très attendues et qui font rêver, comme la nouvelle Corvette C8, le Jeep Gladiator ou encore la version GTA de l'Alfa Romeo Giulia. Et bien sûr, la plupart de ces modèles sont disponibles à l'essai dans notre concession durant l'Autofestival. Ce qu'on souhaite, c'est simplement d'émerveiller et de combler nos clients, malgré les conditions sanitaires particulières, et leur permettre de s'évader un instant et de profiter de nos offres exceptionnelles pour trouver leur véhicule de rêve. Et puis bien sûr, on souhaite que l'Autofestival se déroule correctement pour tout le secteur.